Alors, on reprend, merci à Hachem, la Torah Bet, Yud-Bet, du côté Moran, Torah 12. On était dans la lettre Bet, la deuxième partie de l'enseignement. Et donc, on avait vu que, en fait, la Torah orale, le tzaddik qui donne la Torah orale, qui va donner des nouveautés dans la Torah orale, qui va donner des chidushim dans la Torah orale, il est appelé au nom de Yaakov, et que la Torah orale elle-même, elle est appelée au nom de Rachel. On avait dit que Yaakov, quand il a vu Rachel, il l'a embrassé. Et il s'est mis à pleurer, il a levé sa voix, il a pleuré. Et Rachel a dit que Beruach HaKodesh, il a vu qu'elle ne serait pas enterrée avec lui dans la tombe, dans la Maarat HaMarpela Rachel. Et Rabbeinu nous explique le sens caché qui est marqué ici, qu'en fait, Yaakov Avinu, qui est le Bechir Sheva Avot, qui est le tzaddik, qui est l'élite des patriarches, de qui va sortir tout l'âme Israël, qui représente la Torah Akdosha, de lui va venir la Torah Akdosha. Il voit Rachel, c'est la Shrina, c'est la présence divine, c'est toutes les âmes d'âme Israël, c'est la Torah orale. Et voilà qu'il voit que maintenant que lui, il va commencer à donner de son souffle à lui, du souffle de sa neshama dans la Torah pour pouvoir réparer chacun d'entre nous, pour donner un chemin, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, comment connaître Akadosh Baruch Hu, comment se réparer. Et il voit qu'à ce moment-là, que Rachel ne va pas être enterrée avec lui, c'est-à-dire quoi ? Que la Torah ne va pas l'accompagner, ne va pas accompagner l'âme Israël quand lui, il sera sous la tombe, sous-entendu, que lorsque un Tanaï est sous la tombe, quand un tzadik, il est parti de ce monde-là, il est encore vivant et sa Torah, il vit à travers sa Torah, son souffle, il vit à travers sa Torah. Et quand nous, on vient étudier les Talmidei Chachamim et les Juifs qui viennent étudier la Torah et qui viennent maintenant étudier la Torah d'un tzaddik qui est déjà parti de ce monde-là, et bien à ce moment-là, normalement, on ramène le souffle du tzaddik si on est pur dans notre manière d'étudier la Torah et qu'on vient avec une volonté qui est pure de se sanctifier, de connaître Kadosh Baruch Hu, de sortir de ses mauvais traits de caractère, de ses mauvais désirs, de son orgueil. Et bien à ce moment-là, on attire quand on étudie la Torah du tzaddik qui est Niftar. On attire son souffle, revenir dans son corps, ses lèvres se mettent à remuer. Et à travers nous, quand nous, on dit en son nom, on dit c'est Chidushim, les nouveautés qu'il a fait dans la Torah orale, et ben, il y a un baiser qui se fait entre le Tana, entre le Tzadik et Niftar et le Talmid Chacham qui est en train d'étudier. Et à ce moment-là, il y a un plaisir extraordinaire pour le Tana de revenir sur terre et de pouvoir s'unir à celui qui étudie sa Torah et qui permet d'accomplir en réalité le but de la Ratzon Hashem, la volonté de Kadosh Baruch Hu, que par la Torah, on puisse se purifier, se sanctifier, comme on avait vu que. C'est marqué celui qui étudie la Torah c'est un remède, celui qui veut se purifier, on l'aide. Une des aides qu'il y a dans la Torah, c'est les âmes des tzadikim, des tanaïm, des amoraïm. Quand Kadosh Baruch Hu, à travers ces âmes tzadikim-là, quand on étudie leur Torah, leur âme, elle vient s'associer à notre âme, et elle vient nous donner des forces pour avancer. Et lui, il a vu Yaakov que maintenant, il n'aura pas de repos avec la Torah dans son kever, c'est entendu, que la Torah va pas être... Il y aura beaucoup, la majorité des gens qui vont étudier la Torah, nous y compris si on ne travaille pas sur ça, Chazé Shalom, eh ben, on va se remplir d'orgueil par la Torah. La Torah va gonfler notre ego personnel et on va en arriver à faire tout le contraire de ce que la Torah doit faire. La Torah doit nous amener à l'humilité, à nous rapprocher du tzaddik à Emet, de Yaakov Avinu, du tzaddik de la génération. Et pour connaître Kadosh Baruch Hu, ben, Shalom, si on ne fait pas attention et qu'on n'est pas mis en garde, chaque Rabbeinu nous dit qu'il faut faire très attention à ça, et ben, la Torah Shalom, nous augmente la gava, l'orgueil, jusqu'à ce qu'on peut arriver à parler et à mépriser les tzaddikim et les vrais bergers de la génération. Et donc sans berger, on reste des brebis égarées. Sur ça, il a pleuré Yaakov. Et maintenant, on voit que Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait ? On s'est arrêté ici à peu près. Que Rachel, elle s'est mise à courir pour aller voir son père, Laban. Hein, parce qu'il lui a dit, Jacob lui a dit, sache que moi, je suis le frère de ton père. Je suis le frère de ton père et le fils de Rivka Imeno. Entendu, moi, Jacob, et nous, qui suis le tzaddik qui va donner des nouveautés dans la Torah, eh ben, j'ai donné dans la Torah deux forces. Je peux être soit rusé comme Laban ou soit caché comme Rivka. J'ai entendu que dans la Torah, il y a deux forces. Et comment la personne va approcher la Torah ? Eh bien, la Torah, elle va avoir une HPA, une influence sur lui, en bien, pour le faire entrer comme Rivka dans la Kedusha. Ou Chas de Shalom, si tu viens avec ruse devant la Torah, on est tous rusés en réalité, on a tous le venin du serpent à l'intérieur de nous, ce n'est pas nous, c'est le serpent qui est le Yitzhara. Si on n'est pas mis en garde qu'il y a un Yitzhara même dans la Torah, alors on va devenir comme Lavan, on peut devenir comme Korah, que Dieu nous en préserve avec la Torah de Chat. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est marqué que tout de suite, elle a couru, Rachel, pour raconter à son père qu'elle a rencontré Yaakov. Donc, c'est la Torah de Chat qui va voir qui ? Elle court voir Lavan. Lavan, c'est le côté rusé de la Torah, le côté mauvais de la Torah, Kaviachol, mauvais, en tout cas, le côté non réparé de l'utilisation de la Torah. Pour nous dire quoi ? Il nous dit, Rabbeinu, que cette dimension-là qu'on peut trébucher dans l'étude de la Torah, eh ben, elle est beaucoup plus fréquente et innée que l'effet bénéfique de la Torah qui demande un effort particulier, que quand tu vas l'approcher, elle va te réparer, elle va te donner de l'humilité. C'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut se répéter et qu'il faut enseigner, parce que ça veut dire qu'en réalité, tout le monde nous pousse à étudier la Torah, mais personne ne nous met en garde du danger
violent qu'il y a dans l'étude de la Torah. Et que l'essentiel du din en réalité qu'il y a dans le ciel, ce n'est pas sur les gens qui n'étudient pas la Torah, c'est sur ceux qui étudient la Torah. L'essentiel de la rigueur céleste qu'il y a dans le monde, elle est sur ceux qui étudient la Torah. Comme le Rav l'a répondu nous ramener en ce moment, que le deuxième Betamidash était détruit à cause de la haine gratuite. Et la Gemara, il nous a ramené plusieurs Gemaraot qui parlent là-bas des Talmidei Chachamim qui étaient Medakdekim, qui étudiaient la Torah, avec toute leur force, toute leur amal. On ne parle pas de gens qui rigolent, on parle de gens qui sont très sérieux devant leur Gemaraot. Et c'est nous-mêmes, si on ne fait pas Tshuva tous les jours, qu'on est devant nos Gemaraot en train d'étudier, en train d'essayer de comprendre, en train d'essayer de mamash. Et là-bas, il dit qu'ils avaient des midot extraordinaires à travailler sur leurs midot, mais il y avait de la haine les uns envers les autres. Comment tu peux avoir de la haine les uns envers les autres ? Le Beit HaMikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas reconstruit à cause de la haine gratuite. Et le Rav, il nous a fait bien mettre en évidence. Là-bas, la Gemara parle des Talmidei Chachamim. Elle ne parle pas des gens qui n'étaient pas dans les Batei Midrashot. Elle parle des gens qui étaient dans les Batei Midrashot. Et si on ne t'enseigne pas ça, hier, il y avait un Chaver qui était là qui me disait ouais, c'est un peu violent quand même ce que tu dis ici. Je dis d'abord, ce n'est pas moi, c'est Rav Nachman qui le dit. Mais si tu ne le dis pas, mais Khila, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que tu es en train de prendre de l'énergie nucléaire, bien plus puissante que l'énergie nucléaire, et tu l'utilises pour faire une arme nucléaire. Fais attention, tu peux éclairer le monde entier avec l'énergie nucléaire. Mais tu peux exploser le monde entier avec l'énergie nucléaire. Ouais, tu veux dire quoi, Gabriel ? Bien sûr, bien sûr. C'est évident. Mais regarde, tu prends quelqu'un maintenant. Il a un couteau suisse dans la main. Il a un couteau suisse dans la main. Qu'est-ce qu'il va se faire au pire ? Il va se couper un peu le doigt, il va se tailler le doigt, il va faire une petite blessure. Tu lui donnes maintenant le bonhomme, tu lui donnes un M16 ou un, je sais pas comment on appelle ça, là, les fusils, les trucs, les machins, tu lui donnes un bazooka. Mais... Attends, Harry, c'est grave. T'es un assassin. T'es un assassin. En fait, t'es un assassin. Si maintenant, on n'enseigne pas à nous-mêmes, à nos enfants et à ceux à qui on rapproche de la Torah, on ne leur enseigne pas le danger qu'il y a dans la Torah, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah, que toutes les merveilles du monde, toutes les ségouettes sont dans la Torah, mais tous les dangers du monde sont dans la Torah aussi. Et si tu n'es pas mis en garde là-dessus et que ça ne t'amène pas à faire un travail de prière et d'introspection quotidien sur ta Torah en elle-même, mais tu es un danger ambulant. Donc c'est vrai que c'est un peu terrifiant, mais en même temps, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il y a des talikim, parce que les talikim, eux, ils sont là pour être des vrais bergers et nous remettre en sur le droit chemin et nous dire, sache, la première chose que tu vas prendre dans la Torah, si tu n'as pas travaillé, tu vas devenir la vanne. Ah, non. T'étonnes pas. Ça ne donne pas que les gens ne t'apprécient pas forcément après, que dans la maison, dans les enfants, etc. Hein ? Tu commences à pâlir. Non, en général, c'est souvent tu commences à faire blanchir les gens. Tu commences à faire des reproches. Tu commences à... Bon, j'ai un mot, et c'est ce qu'il dit, parce qu'au final, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas commencer à parler sur le tzadik. Tu vas finir par parler sur le tzadik. Bon, j'ai un mot, comme disait René Vacha, Annie Chokma, on s'est arrêté de Bidjouk ici. Comme elle a dit, comme ils ont dit, nos Khamim dans Masechet Sota, page 21. Ani Chokma, la Torah, elle est appelée Chokma. On se rappelle toujours ce que Rabbanou dit, ce que tous les Sadikim disent, Chokma, c'est Koachma. C'est la force de l'humilité de Moshe Rabbeinu qui a dit Anachnouma. Ze Aïnyan, Ma, c'est Adam. Adam, c'est Gimatria Ma. Les 45 qui sont partis Sadikim de Meron, c'était 45, c'est Ma. C'est l'humilité. Tu étudies la Torah avec humilité, et l'humilité t'amène à l'amour d'Hachem, t'amène à l'amour du Ham Israël, t'amène à l'amour des Sadikim. Et à l'amour de la Torah, à la véritable amour de la Torah. Ani Chokma, la Torah, elle s'appelle Chokma. Shachanti Orma, j'ai résidé dans la Orma, c'est la ruse, d'accord ? J'ai résidé dans la ruse. Kiksha Adam, le maître Torah, Nirnas, Bo Armoumiyoud. Quand un homme étudie la Torah, Michel, là, je prends le temps de dire les mots parce que si on va trop vite, on ne se rend pas compte de ce qu'il dit Rabbi Nachman. Quand un homme il étudie la Torah, il dit Rabbi Nachman, il comprend ce qu'il y a marqué dans la Gemara Sota. Un homme étudie la Torah, ça rentre en lui de la ruse. Tu deviens Esav. Esav, c'était un Talmid Chacham des manigances. Le bonhomme, avec sa Torah, après, il va te faire des affaires. Mais les affaires, il va savoir faire des piles-poulies maintenant dans les affaires. Comment rendre permis de manière tordue, comment gagner sa parnassa. Parce que les goyim, on peut les voler, c'est pas grave, tu vois, les trucs, les machins. Puis après, bon, c'est un voleur manifeste. C'est un vrai voleur, le mec qui fait des braquages. C'est des goyim. C'est pas grave, tu vois. Non, on se rend pas compte. Le bonhomme, il veut pas préserver ses yeux parce que pour lui, on lui a pas encore éclairé que préserver ses yeux, c'est le poison le plus mortel qui existe sur Terre.
par la Torah, il va trouver toutes sortes de raisons qu'il ne faut pas être un extrémiste sur les yeux et que la Torah, ça va, tu n'as jamais demandé de devenir Baba Salé. Baba Salé, c'est Baba Salé. Alors qu'en réalité, c'est Kipchuto Shulchan Aruch. C'est ni plus ni moins que le code de loi juif pour n'importe quel juif. Mais c'est en tenu que la Torah, en réalité, en elle-même, elle va te rendre tortueux dans ton esprit. Et que tu vas réussir maintenant, après, à avoir un esprit de plus en plus aiguisé, mais qui ne sera pas canalisé dans la recherche de la vérité. Normalement, la Gemara, elle va aiguiser ton esprit pour pouvoir commencer de plus en plus à affiner ton esprit, voir Hachem partout, de pouvoir commencer à entendre Hachem qui parle partout, à travers ce que tu as étudié, à travers la Torah, à travers la Halakhot. Tu vas commencer à être réceptif à la parole d'Hachem. La parole d'Hachem, elle gère tout ce monde-là, tes pensées, tes paroles, tes actions. Je dirais, maintenant, on verra dans la Torah 54, que tout est géré par HaKadosh Baruch Hu et c'est voulu par Hachem pour nous rapprocher de lui. La Torah est censée t'aiguiser l'esprit, de commencer à pouvoir te regarder toi-même avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de détails, à te comprendre comment tu fonctionnes beaucoup plus, comment tu dois, qu'est-ce que tu fais ici, comment Hachem il te parle, comment la vie elle te parle. C'est HaKadosh Baruch Hu qui te parle, c'est pas la vie, c'est HaKadosh Baruch Hu qui est la vie. Et ça sert à ça la Torah. Mais si maintenant tu fais pas ça, la Torah, tu vas t'en servir, tu vas devenir un super robot, mais pour faire n'importe quoi. Destructeur, exactement. Donc, ce qui nous dit ici, Rabbeinu, que quand on étudie la Torah, naturellement, rentre en toi de la ruse. Les Evatarot, c'est ça qu'elle a couru. Vatarot, elle a couru, comment elle s'appelle ? Rachel, vers la vanne. La Torah, vers le côté obscur de la Torah. Que chez Raz, il qu'elle est partie, la mâche en courant et rapidement et facilement. Vataged Leavia, et elle a raconté à son père. C'est qui ? C'est Avan, la vanne, le rusé. Chez la Torah, et la vanne, il haït Yaakov. Comprends ce qu'il veut dire à Benou. C'est que le côté qui rentre dans la Torah, c'est que tu as la haine des tzadikim. C'est péléplaïn. C'est-à-dire que Rabbeinu est en train de te dire, t'étudies la Torah, si tu n'as pas prié avant, si tu n'es pas conscient, si tu ne fais pas un travail de tshuva, de connaître ta petitesse avant, d'avoir un chesed nefesh, savoir que tu viens étudier la Torah, pourquoi ? Pour me purifier. Je sais que jusqu'avant que j'arrive devant cette page de l'écouter Moran, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et je sais très bien que je suis impur à ce niveau-là. Et je viens tuer la Torah pour me purifier, pour qu'elle soit un fleuve qui me purifie. La Torah, comme la vache rousse, elle purifie ceux qui se sentent impurs. Mais elle rend impurs ceux qui se sentent purs. Si tu viens tuer la Torah et que tu te prends, j'étudie la Torah aujourd'hui, ils ont rien compris les autres. Et que tu viens dans cette dimension-là, la Torah va t'impurifier. Elle va t'impurifier. Parce que la vache rousse, elle, ceux qui étaient purs, les Kohanim qui faisaient le service de la vache rousse, ils devenaient impurs. Et c'est marqué « Zot Rukat HaTorah », voici la loi de la Torah, la loi incompréhensible de la Torah. Dis-moi la loi incompréhensible de la vache rousse. C'est le Rav Ramin sur Kiddush dans la Traverse de la Forêt. Il faut dire que la loi incompréhensible de la vache rousse, c'est la même loi incompréhensible de la Torah. La Torah, elle purifie, elle impurifie en fonction de est-ce que tu viens avec humilité ou avec orgueil. Et la même Torah, elle peut t'impurifier beaucoup plus qu'avant. Ou elle peut te purifier d'une manière qu'il n'y a rien d'autre qui peut te purifier comme la Torah Kedoshah. La Torah, il m'a guédé la lamdan armomiyout que la Torah. Elle raconte, c'est quoi va taguer la vie, hein, c'est que la Torah, Rachel, c'est la Torah, elle court et elle raconte à son père, c'est qu'elle vient facilement te raconter à l'intérieur de toi de la ruse et du lachonara sur les gens, de te mettre à avoir des défauts chez les gens, des défauts sur les tzadikim, de parler sur un tel, de parler sur encore un tel, etc. Que la ruse, elle vient beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement dans l'homme, qui a Gdusha, Tsarir, Siyoua, Milemala, Milaela. Parce que la Gdusha, il faut une aide d'en haut. Pour que la Torah, elle soit une vraie potion qui va te purifier, il faut une aide divine. Or, l'aide divine, c'est la prière. L'aide divine, c'est la tfila. C'est demander à Kadosh Baruch Hu qu'il te vienne en aide. Ce qu'on dit d'ailleurs dans l'Amidah, donne-nous à Hachem, tous les matins, après-midi, soir, on dit, donne-nous la chokhmah, la sagesse, le discernement et la compréhension, mais la véritable définition, chokhmah, comme on l'a dit, kohachmah, donne-moi étudier la Torah avec humilité. Bina, de pouvoir discerner entre le bien et le mal, le bon côté de la Torah, avec Da'at, que à travers la Torah, je vais te connaître, Hachem, je vais me lier à toi, je vais me lier à Israël, je vais me lier à la Torah Kedosha. Quitte sur chacun, il prend le sévère du Rav Arouch, le pirouch sur la Mida, il verra tous les pirouchim qu'il a mis sur Chokhmah Bina et Da'at. Il y a une prière à faire sur la Torah, le petit yiratan qu'on fait, c'est juste un exemple de se rendre compte combien la Torah est dangereuse de l'approcher sans prière. Le Rav Arouch, il a fait 4 pages de prière tous les jours qu'il fait. Et qu'il enseigne de faire avant de commencer l'étude de la Torah. Je ne le fais pas en ligne parce que c'est trop long. On devrait le faire. Il faudrait le faire, mais il faudrait prendre la semaine pour ça. Mais pourquoi il a fait 4 pages ? Tous les jours, 4 pages, tu as prié avant d'étudier la Torah. Nous, étudier la Torah. Bitulzman. Ma Bitulzman. Bitulzman, c'est pire que du Bitulzman quand tu étudies la Torah sans avoir fait un travail de Cheshbon à Nefesh et de prière auparavant.
n'est pas du bitul zman, tu es en train de brûler le monde. Mamash, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que la rigueur du monde, les malheurs du monde, c'est terrible de dire ça, c'est terrible. Et les malheurs du monde, l'essentiel, ça provient de ceux qui sont conscients d'Hachem et qui n'utilisent pas les kelim d'Akadosh Baruch Hu pour le but pour lequel ils ont été donnés. Et la Torah Kedoshah en elle-même. C'est Ayom Benora. C'est Ayom Benora. Ayom Benora. Les Chet HaMeraglim, la faute des explorateurs qui fait qu'on a eu la destruction du Beit HaMikdash, du deuxième Beit HaMikdash, Tisha B'Av, c'est les Gdolim, c'est pas le Am Israël. Le Am Israël, il a pleuré. Ok, tout le peuple, il a pleuré pour le Tisha B'Av, il a pleuré pour rien. Mais grâce à qui il a pleuré pour rien? Grâce à qui il a pleuré pour rien, le Am Israël? Grâce aux géants qui étaient devant lui et qui les ont mis dans le décor. Parce qu'il était dans une recherche des honneurs, le Zohar a dit. Une recherche des honneurs. Je ne comprends pas. T'as été Moshe Rabbeinu. Là, t'as eu tous les miracles qu'il y a eu en Égypte et dans le désert. T'as vu Hachem, t'as entendu Hachem. T'as vu les voix d'Hachem, t'as vu les paroles d'Hachem, t'as entendu deux dibrotes d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ouais, si tu ne travailles pas, tu es en train de bosser pour toi. Tu es en train de bosser pour toi et tu peux avoir le plus grand grade spirituel. Tu peux être Dayan, tu peux être le Rosh Keila, le Rosh Yeshiva. Tu es encore en train de travailler pour toi. Et ça amène à la destruction du Beit HaMikdash. Chez Mishmor. Tu vas être amené comme Korach à parler sur Moshe. Korach, c'est pas joli sa fin, Korach. C'est pas joli. Mais c'est les grands, entre guillemets, les conscients de la Torah. Pas les grands dans les Mahalot Amitiot. Les grands qui sont déjà éveillés à étudier la Torah, c'est nous les responsables. Ilan, ouais. Si je comprends bien le moussard de cette Torah, il vaut mieux une petite avoda, mais qui soit faite dans la tmimout et dans la anava, qu'une perfection dans la avoda, mais avec justement cette klipa de... Alors, il a dit, si je comprends bien, a priori, c'est qu'il vaut mieux une petite avoda simple, pure et naïve, qu'une grande avoda dans vouloir la perfection, etc., et qui peut arriver dans des catastrophes, etc. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, dans le sens où c'est sûr que c'est beaucoup mieux une personne qui fait un peu et qui fait bien, qu'une personne qui fait beaucoup et qui fait n'importe quoi parce qu'elle est en train de faire un carnage, ça c'est une vérité. Maintenant, dans la volonté, dans nos volontés à nous, que nous maintenant, on étudie ces faire Khadash, on apprend le Koach HaRatzon, comment tu es l'équipe, en particulier Ibn Khan, il a mis l'accent sur la volonté. Dans la volonté, nous, on doit aspirer au top. C'est-à-dire quoi? On doit aspirer à vouloir étudier toute la Torah Kula, Yomam Balayla, jour et nuit, Bigdusha, Vetahara, en faisant Khejban Anefesh, en ayant tous les jours minimum 1 heure d'Ilbo des Doutes, voire 2 heures d'Ilbo des Doutes, avec, comme disait le Khafetz Chaim, il avait 2 heures par jour où il parlait. Tu dis, c'est le Khafetz Chaim. Mais c'est pour ça qu'il est devenu le Khafetz Chaim. C'est parce qu'il avait 2 heures tous les jours où il parlait avec Hachem, où il s'introspectait. Tu dis, non, mais ça va, en 5 minutes, tu fais ton Khejban Anefesh, tu vas faire quoi en Khafetz Chaim? Il a beaucoup d'Averot, je t'en prie, Khafetz Chaim. Il a beaucoup d'Averot, Khafetz Chaim. Il avait beaucoup d'Averot, il ne parlait pas, il ne disait pas un mot, le Khafetz Chaim. Il y a beaucoup d'Averot. Il n'a pas d'Averot. Il trouve 2 heures à s'introspecter. C'est juste pour te faire prendre conscience que tu ne deviens pas un Gdol Ador et un Manig, un dirigeant du Ham Israël, qu'avec l'étude de la Torah sans t'introspecter. Parce que sinon, tu vas devenir un grand comme Korach. Shem Ishmor. Donc nous, dans la volonté, dans le désir, on veut tout. On veut tout au maximum. Maintenant, Rabbi nous a dit, « Aval gamea zetov », savoir faire un peu et le faire bien, mais aspirer à faire beaucoup. Et bitfila, plus on le fait bitchouva, bitfila, et en recherche de émettre, en demandant que je beaucoup, en suppliant que je beaucoup, puis Hachem nous ouvre les portes, mais de niveau en niveau, sans rentrer de la gava. Et dès qu'il y a de la gava, bon, il nous fait redescendre. C'est inévitable. À chaque fois qu'on monte de niveau, en général, on prend un coup de gava, on a une sensation de descente, c'est normal, ça vient de la gava du niveau qui s'ouvre au-dessus. Mais c'est shlav par shlav, étape par étape. C'est pour ça qu'il faut être patient. La suite de la Torah, regardez, on arrive ici, on a dit à Bal et Taher, c'est pas mal, c'est Bidjouk. Bidjouk, ça nous permet de reprendre là où on s'est arrêté. Qui a Gdoucha, c'est Rissuel, mais malin, qu'on chamou à Bal et Taher, mais ça n'y a rien. C'est marqué que pour avoir la Gdoucha, la vraie Gdoucha, il faut une aide d'en haut, comme c'est marqué dans Maseret Avodazara, page 55, celui qui veut se purifier, on l'aide. Or, la suite de cette Gmara-là, que Rabbi Nachman, il met l'accent dans la Torah 6, il écoutait Moharan, qui est mamash. C'est pareil, c'est un carnage de ne pas nous enseigner cette chose-là. La suite, c'est Abal et Taïa Mesaïno, Vomrimlo, Amten. Et on lui dit, attends. Tu as entendu quoi? Si tu veux véritablement entrer dans la Kedusha,
c'est étape par étape. C'est devoir attendre devant la porte du niveau d'au-dessus et prier et supplier. Mais pourquoi on ne te laisse pas entrer? Parce que si tu rentres, tu vas t'enorgueillir. Si tu rentres tout de suite, directement au niveau d'être collé à Kadosh Baruch Hu, tu vas te prendre pour Kadosh Baruch Hu, qui pshuto, ni plus ni moins. Tu vas l'oublier, Hachem. Tu diras, Hachem, hein? Et après, tout le monde venait chez moi, là, là, et moi. Mais ça y est, l'eau, brimlo, amten, l'aide qu'on te donne. C'est quoi l'aide qu'on te donne dans la Kdoucha? C'est qu'on te fait attendre. Rabbi Nachman te dit, l'aide qu'on te donne quand tu veux te purifier, c'est pas qu'on t'ouvre la porte, c'est une fausse aide. Si tu rentres dans la Kdoucha et tout souffle facilement, tac, 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 du jour au lendemain, voilà, c'est pas bon signe du tout. C'est pas le chemin normal. Ça, c'est le chemin de la Gaava. C'est le chemin droit vers la Gaava. C'est le chemin du Chacham, comme on voit dans le Sage et le Simple, du conte de Rabbi Nachman. Que tout lui va facilement depuis le début, il ne prie pas pour ça et c'est la dégringolade. L'aide du ciel, elle vient quand c'est difficile et que toi, tu ne te décourages pas et tu continues à vouloir, à désirer, à prier, à te renforcer et tu construis encore des ustensiles de prise de conscience que sans HM, tu ne peux pas, sans HM, je ne peux pas, il n'y a que HM qui peut m'aider. Et puis petit à petit, tu vas chercher les envoyés d'HM sur terre, les tzadikim qui savent te donner les vrais remèdes, comment monter, etc. Et petit à petit, tu vas te construire étape par étape avec de l'humilité, avec de la reconnaissance envers HM. L'organisation vers les tzadikim, avec l'organisation vers la Torah, tu vas apprendre comme toi, tu t'es vu que combien c'était difficile pour toi, tu vas juger les autres positivement. Et tu te nettoies complètement. Donc, le vrai conseil, c'est savoir attendre, mais attendre avec des désirs, des prières et des tfilotes, mais chercher à monter au niveau d'au-dessus et chercher à monter jusqu'au plus haut des niveaux qu'on peut arriver. D'accord? Parce que Rabbi Nachman, il a pour ambition de faire monter chacun à son niveau, Rabbi Nachman. Après, c'est très simple qu'a venu ma mâche. Ouais, j'espère que c'est clair. Michel Omed, Torah, Lishma, Ba'anava. Big Day Tia Okenter. Ah, voilà, Big Day Tia. Ok, d'accord. Donc, ce que lui explique, maintenant qu'il a utilisé la Torah avec humilité, pas pour s'enorgueillir, pas pour faire des reproches aux gens, d'accord? Eh bien, le Yetzerara, il va se battre contre lui. Quand tu viens avec une vraie intention d'étudier la Torah à l'échelle Shamaïm, Ken, eh bien, à ce moment-là, Davka, à ce moment-là, le Yetzerara, il vient, il se met en colère contre toi, il commence à t'embêter, il te met des empêchements, etc. Et il commence à avoir beaucoup d'empêchements, donc c'est bon signe, parce que la plupart d'entre nous, quand même, je pense qu'on a tous des empêchements pour étudier la Torah. C'est quand même que dans la Mishra, on a quand même tous une volonté d'étudier la Torah, Bigdusha, Avetahara, parce que Baruch HaShem, les empêchements, ils n'en manquent pas. D'accord? Et on veut t'empêcher d'étudier ta Torah. Mais la Chem, et c'est pour ça que ta femme, elle t'empêche. Que la Parnassa, tu vois que des fois, ça t'empêche. Tu vois que des fois, il y a encore un empêchement, etc. Parce qu'on veut, on voit que dans le ciel, tu veux étudier de la bonne manière. Alors on t'empêche. Et comme ça, tu vas construire des kélim d'humilité, des kélim de tfilot, de désir, etc., qui vont te protéger dans ton étude de la Torah. Et celui qui est méritant, alors, il va se renforcer sur les empêchements. Il va pouvoir faire du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu, donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et même le Tana, donc celui qui a enseigné la Torah que tu vas étudier, qui a écrit la Torah que tu vas étudier, qui avait dit avec sa bouche la Torah que tu vas étudier, il va s'attacher à toi. Il va t'embrasser spirituellement. C'est-à-dire quoi? Il va t'enlacer, il va t'accompagner. Il va être ton aide divine. C'est comme un malach, comme des envoyés qui vont être avec toi maintenant et qui vont te protéger, qui vont t'aider, qui vont repousser toutes les épreuves de ta journée. Qui vont te faciliter, qui vont t'ouvrir les portes, qui vont t'envoyer la parnassa, qui vont te trucs, etc. Parce que ce Tana, il a du plaisir que tu étudies sa Torah et que tu étudies comme il faut. Pour connaître Hachem, pour faire connaître Hachem, pour voir Hachem dans le Ham Israël, pour éclairer le Ham Israël. Et ce Tana, il est heureux parce qu'à travers toi, il continue à vivre, il continue à agir sur terre. Parce que ce qu'il a dévoilé d'Hachem, à travers la Torah, tu l'as incorporé à l'intérieur de toi et tu le fais, et tu le vis. Et tu le vis, et le Tana, il t'accompagne. Aval, Aram, Mioud, Potrine. Et quand c'est marqué dans la Gemara, Abba le Tamé, Potrine l'eau, celui qui vient s'impurifier, on lui ouvre. C'est pour te dire, sache, si tu ne viens pas pour te purifier dans la Torah, mais vraiment, et tu purifies ta gava, alors la Torah elle-même, Potrine l'eau, on t'ouvre la porte, mon ami. Tu vas t'impurifier avec la Torah, chemichement. C'est des chidushim que on n'utilise pas ça tous les jours. C'est Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu, il peut te dire, Enyeush, Kachem, il est même le plus grand des Rechaïm, comme le plus grand des Tzadikim. Le rabbin te dit les choses, te dit le émet, il n'a pas peur de le dire. Tu dis, comment tu veux dire qu'il aime les réchaïm? Oui, il aime les réchaïm. Le rabbin va te dire aussi, attention, toi, tu ne te prends pas pour un rachat, mais tu peux être un grand rachat. Non, mais avec ta Torah, il aime. Comme la condamnation de Rabbeinu, je dis juste cette phrase avant d'oublier. Rabbeinu, il est venu pour dire, le odia, les darimata, Hachem lo kolalas kevodo, pour savoir aux gens qui sont tout en bas que la terre elle est remplie de la gloire d'Hachem, qu'Hachem il est là, même tout en bas, Hachem il est avec toi, il t'aime. Mais le dia, les darimata, ayem kom kevodo. Et pour ceux qui habitent dans les endroits d'en haut,
c'est-à-dire les Talmidei Chachamim, ceux qui sont dans la Torah, dans les Yeshivot, dans les Midrashot. Aïe, où est-ce qu'il est Hachem? Tu n'es pas encore avec Hachem, tu es loin d'Hachem. C'est la grande de Rabbeinu, de parler aux petits, de parler aux grands, à écart de faire bouger. Aïe les petits, de les faire bouger, et les grands, de les faire bouger. Ken Rabbi Salomon. Il y a marqué Abba Leitaer, Messayin No, et Abba Leitame, Potrin No. C'est quoi la différence entre Messayin et Potrin? Bah, Potrin, tu viens, on t'ouvre la porte. On t'ouvre les vannes, c'est facile. En fait, pour bien comprendre, c'est la suite de la Gemara que je vous ai citée, que Rabbeinu cite dans la Torah, si vous écoutez Moran, c'est qu'Abba Leitaer, il a dit, c'est quoi la différence entre Messayin No et Potrin No? Il vient se purifier, on l'aide, et il vient s'impurifier, on lui ouvre la porte. Les deux, c'est une aide. Quand on t'a ouvert la porte, deux, ton aide. Non, on a expliqué que l'aide divine de celui qui vient se purifier, c'est qu'on ne lui ouvre pas la porte. On le fait attendre. On lui dit « Attends, mon ami. Attends, tu fais la queue pour aller voir le tzadik. Attends, c'est bon. Il faut avoir la suite. 100 000 euros, il me faut attendre. Ouais, ben, vaut mieux que tu attends parce qu'avec tes 100 000 euros, tu vas te prendre temps pour le tzadik et lui pour le pauvre mendiant que tu es en train de subvenir à ses besoins. Alors que, pauvre petit mendiant, tu ne sais pas que tes 100 000 euros que tu es en train de donner, c'est lui qui t'a donné, même 1 million il t'a donné en réalité. Et toi, tu fais juste prendre conscience que ça vient de lui, tu lui donnes 100 000 euros. Tu comprends ? Non, attends, ils doivent ouvrir la porte, là, je ne comprends pas. C'est quoi, c'est honteux, ils n'ont pas de cavode, de machin, etc. Donc, Hachem, il sait qui est le cavode, quand donner le cavode à qui, comment, à qui revient le vrai cavode, que chacun y prenne conscience. On ne t'ouvre pas à la porte. Tu n'es pas content ? Vas-y, va chez la vanne, mon ami. Va donner de l'argent à la vanne. La vanne, il prend facile l'argent. Il prend facile, il te fait du cavode, il te fait les grandes tables, il fait les trucs, vas-y, oh, t'as pas de problème. Le chemin de la Gdoucha, mes amis, c'est le fait d'attendre, le fait d'avoir honte, que c'est. Tu sais, c'est insupportable, c'est pas agréable, je veux pas ce chemin. Eh bien, c'est pas grave, mon ami, tu rentreras pas dans la table du roi. Tu vas rentrer à la table du serviteur du roi qui s'appelle sa mère même. Tu vas faire la table du bouffon là-bas, tu vas t'éclater, il y aura tous les spectacles que tu veux, etc. Mais le roi des rois, tu rentreras pas. Parce que le roi des rois, c'est à lui qui appartient le kavod. Le kavod, il appartient pas à toi. Et si tu viens pas dans cette dimension-là de donner le kavod à Kadosh Baruch Hu, on va te donner du kavod, mon ami. Mais sache que ton kavod qu'on va te donner, il va t'en purifier. Il va te compliquer ta vie. Il va te rendre ta vie une torture. Chas de shalom. Vas-y, voilà, c'est la différence. Elle est claire ou pas la différence, Ilan? C'est bon, j'ai compris. Oh, pas cher. J'ai compris avec la suite du pasouk qui dit Amten. Amten, c'est ça. La suite du pasouk, c'est Amten. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est qu'on ne t'ouvre pas la porte. En fait, on te dit d'attendre. Et c'est cette attente-là qui va te purifier. Aval, har mimiyut, potrin lo, yeshlo petachim arbe, ubalo benaket. Mais voilà, donc la ruse dans la Torah de Shah, Dieu nous en préserve. Eh ben, on t'ouvre la porte directement, c'est-à-dire que si tu ne viens pas faire d'efforts, si tu n'es pas prêt à travailler sur toi avant d'étudier la Torah et après étudier la Torah, eh ben, on t'ouvre des portes facilement de pouvoir devenir comme Lavan, comme Korah. Donc, il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné. Les gens ils sont étonnés quand ils voient des trucs bizarres chez des rabbanim ou chez des talmidei chachamim. Ce n'est pas étonnant, c'est la nature de la Torah. C'est la nature de la Torah en elle-même. La Torah, Gdosha, sa Gdusha, c'est qu'elle te montre qui tu es pour que tu puisses avancer. Et si, t'es pas prêt, si tu ne sais pas déjà encore qui tu es, ben, la Torah va te montrer qui t'es. Elle va te faire grossir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, pas parce que toi, tu es dans ton essence, mais le Yetzera que tu dois travailler, le Yetzera que tu es venu combattre, la Torah va te le mettre en évidence. Parce que la Torah, elle est émette, et elle veut que tu sois émette. Elle veut que tu l'approches avec vérité, en te connaissant toi-même. Une des 48 qualités qu'on doit avoir dans Pirkei Avot, c'est marqué, pour acquérir la Torah, c'est un Makiret Mekomo, celui qui connaît sa place. Tu ne connais pas ta place sur la carte spirituelle. Tu ne peux pas avancer, mon ami. Parce que j'ai beau te donner des directions, se dire que voilà, on se dit voilà, il faut arriver là-bas, tu sais, c'est cette ville-là qui. Mais si toi, on te donne la carte entre les mains, mais tu ne sais pas, tu es où dans la carte? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. La Torah, déjà, c'est la carte. Mais si toi, tu ne sais pas où tu es dans la carte, où tu vas aller? Tu vas tourner en rond dans le labyrinthe et tu ne vas pas avancer. J'ai la carte entre les mains. Mais tu peux avoir la carte, mon ami, tu peux ne pas bouger dans un iota. Tu peux même repartir en arrière, tu peux même marcher dans la direction opposée de la destination où tu dois aller. Une des qualités premières avant de connaître d'acquérir la Torah, Amakiret Mekomo. Il y a que Kadosh Baruch Hu, d'après quand tu vas chez les tzadikim, ils ne te laisseront pas tranquille. La première chose qu'il fait le tzadik quand tu vas chez lui, il t'ouvre les yeux sur toi-même. Tous les yeux sur le monde, mais tous les yeux sur toi-même. Il dit Rabbeinu sur quoi? Tes mauvais caractères, tes mauvais désirs. Donc, c'est normal que personne n'ait pas rentré dans la Torah, elle voit son caractère qui explose comme ça, c'est ta vol qui explose. On veut que tu te connaisses. Que tu viennes avec humilité dans la Torah, que tu viennes pour nettoyer ça. Et si t'apprends à ne pas avoir peur de toi-même, vaikar lefachet klal, de ne pas avoir peur de regarder la vérité sur soi-même, et de savoir que c'est Baruch Hashem. Tu me diagnostiques, Baruch Hashem. La Torah, elle te fait ton diagnostic.
Les docteurs, c'est les tzadikim, les tanaïm, les tzadik et sadolam. Ils vont te prendre par la main et maintenant, ils vont mettre en place le protocole thérapeutique et tu vas guérir et te sentir de mieux en mieux. Mais non, je ne veux pas de diagnostic. On ne peut pas t'aider, mon ami. Il ne faut pas avoir peur du diagnostic. Le diagnostic, c'est d'approcher la Torah. La Torah, elle révèle qui t'es. Et au début, elle révèle ce que t'es non travaillé pour pouvoir, après, petit à petit, se travailler et révéler qui tu dois être, qui tu es profondément et qui tu es une fois que tu as été poli et raffiné. Un diamant, Béat Hachem, précieux, Yeratson. Chiniske et Colzé, demain on continuera à Haute Guimel. On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui, mais on a intériorisé pour Hachem des belles notions. Yeratson, qu'on fasse une bonne doute après son étude de la Torah pour purifier cette étude de la Torah et qu'elle soit dans la Kdusha, Chazak, Mitrazek.